fichier dans un fichier .zip créé comme ça. Oui, ça va ça changer grand chose. Et je comprends pas comment vous faites pour tomber ces escaliers. Là, je le répète, je vais récupérer mon Power 3. Ouais. Ah oui, non mais Osef de ton Power 3. J'ai rien dit. On s'en bat les... Voilà. C'était c'était l'intervention de Spiritus. Qui ne servait à rien, comme d'habitude. Oh. Bien, au fait, Google Plus a changé sa politique concernant les liens chez ça. Ouais, donc je dis pour ceux qui ne le savent pas encore. En gros, maintenant pour se connecter sur la MC4, c'est pas slash the CLB team, mais slash MC4TeamFR. Important parce que MC4Team était déjà pris. Tout comme CLB35 Channel parce que CLB35 était déjà pris. Et tout comme CLB Film Lego parce que CLB Film ne fonctionnait pas. Bon. Tiens, d'ailleurs, il y a un deuxième Tinjoff sur Steam. Ah. Oui, il y a un deuxième Tinjoff sur Steam. Ah. Comme il y a un Fanax quelque part. Bon, deux stacks et demi de bois, je pense que là, c'est bon. Ouais, c'est pas trop mal. C'est ce que j'avais ramené au début, il me semble, grosso modo. Oui, oui. Hop. Et moi, je suis... Et voilà, j'ai une baie vitrée. Waouh. Voilà, je taille un cobble maintenant. Voilà, j'ai une nouvelle fenêtre et tronçonneuse. Oh mon dieu! Oh l'armée de vaches que j'ai là! J'ai 6 vaches. Ouais, j'ai 6 vaches. Petite armée. 7. Ouais, j'ai coupé un morceau de branche. Incroyable. Voilà. Bon, moi j'enferme des vaches, hein. Ouais, ouais. YOLO. Waouh. Ah, bien là, ça. C'est bien de créer des élevages parce que c'est vraiment ce qui manque. Ouais, ouais, là, j'ai pas envie de vache. On va donner un abonné en mode méchant. D'ailleurs, l'abonné, il est quel stuff désormais? Bah, oh, il est ferme, il a tout fer parce que vu qu'on compte inviter un maximum d'abonnés, on lui a donné un mini full fer. Bon, pas full fer, mais partiellement stuff fer. Ouais, et pas de stuff. Méchante la vache! Non, mais on s'en fait, faut pas déconner. Et d'ailleurs, je reste le seul à posséder une pioche en diams, c'est ce que je comprends. Bah, oui, oui. Tu nous as dit de pas utiliser les diams. Ouais. Non, qu'est-ce qu'on va dans le Nether? Nether, c'est quand tu veux. Ah, mais bon, d'ailleurs, il est pas très intéressant. Quoi, Nether, hein. Il est pas très intéressant, il est très dangereux. T'as pas trop piqué dans les coffres. T'as pas trop piqué dans les coffres à part mon Power 4. J'ai enlevé tout le sable et le Power 4. C'est tout parce que le reste, j'en ai pour la plupart, c'est. Mais c'est pas tes coffres, je te rappelle, putain. Bon. Ce sont nos coffres. Tout le monde. En bas, les coffres que j'ai posés. C'est un débat sans fin. Ah, oui, c'est un débat sans fin. C'est mon coffre, celui-là. Je l'ai posé pour pouvoir vider mon inventaire. Parce que... Et deux inventaires pleins. C'est un vide-poche pour tout le monde. Bah, c'est le coffre à bordel, écoute. C'est le coffre à bordel tout en haut. Ah, boule de neige. Moi, je me fais une petite maison à la poche. Je voulais en soutenant sur un side block. J'ai au calme, mais maigre calence. Je vais peut-être me buter moi-même. Parce que franchement, là, c'est très sincèrement ridicule. On est en plein été. Et je. Oh putain, mais ma gueule quoi. En plein été, il fait un temps pourri. Ouais, bon, c'est vrai que par chez nous, il fait un petit peu un temps pourri, mais bon. Hop, par chez moi aussi. Ouais, d'ailleurs, CLB, comment vérifier s'il y a un slime block en bas? Mettre, jeter un item. Tu sautes. Jeter un item. Tu jettes un item, tu sautes. Ouais, parce qu'il y a des petits trolls qui sont amusés. On n'a pas du flint dans le coin. On n'a pas du flint dans le coin. Bah, on a le gravier de... pendant que tu conseilles. Oh, putain, mais les vaches chez moi, elles se téléportent, quoi. Ah, mais je suis dans un bureau de ça va respawn à l'infini. Et nos gardes est toujours en vie, j'espère. Nos gardes, ils se baladent, ils se baladent. Sans personne doute. Personne l'a buté, en tout cas. À part moi. Je l'ai ma croisé, gueule. T'inquiète. Personne l'a buté, à part moi. Avec ton enchantement. Oh merde, j'ai trompé les échelles, mais tout en bas, des centaines de blocs de moi. Bravo. Bravo. Tu es un champion. Purée, j'y crois pas, j'ai fait une montagne en commun. Yo. Bah bon, moi j'ai trouvé la zone où j'allais m'installer. Hein. Ah. That's cool. Voilà. Gardez l'empreinte de ma vache. J'ai grandi ma maison parce que je suis un fourbe personnage. Oh là. J'ai décidément pas besoin de l'agrandir, ça c'est sûr.
Ouais. Mais en même temps, j'ai vu la tienne et je me suis dit, il y a de l'idée. Regardez ce bah, truc. La maison quoi. De qui? T'as vu la oh, maison de étoile. Ouais. Ah oui, d'accord. Moi, c'est cool, je peux buter les animaux partout. Espèce de vaisseau spatial la nuit. Bah oui, non, mais parce que moi j'ai fait une cabane perchée entre deux branches et toute petite. Lui, il a fait une maison moi, j'ai énorme fait un posée gravité. Sur une brindille, quoi. C'est... Non, toi t'as non, envoyé une pièce. Sur une brindille. C'est quoi de la gravité, moi. Voilà, le musée de kebabologie. Pardon. Écoute, quand on fait un délire, on y va à fond. Black, sorry. Alors, ma maison est un musée de kebabologie, voilà. Kebabologie. Mais... Oh, j'ai un mouton rose. La science. J'ai un mouton rose. La kebabologie, c'est pas sorcier. La kebabologie, c'est pas sorcier. Saint-Geoff, dis-moi. Oui. Est-ce que tu as aimé cette blague? Laquelle? La non, ça n'était pas une. C'est pas sorcier. Ok, en parlant de blanc. D'ailleurs, tu es où, Fanax, du coup? Bah, je suis sur ma colline, en fait, en train de faire une toute petite entrée. En train de faire le plus petit que... Putain, mais je sais pas faire des portes, moi. Eh, hey, c'est... Ouais, c'est mignon, on va dire. Je suis en train de laguer, mais en mode... Son grand charme m'est mignon. On perd le stuff ou pas? On perd le stuff. Désolé. Oui. Ouais, malheureusement. Les gars, vous me donnez les coordonnées? Je sais pas dans cette série, voilà. En fait. Bah, c'est juste en face de là où on spawn, hein. C'est la maison, hein. Moi, je pose des torches absolument partout autour de mon bazar. Parce que vous le laissez parler ou je vous oblige à vous fermer la... Ta gueule. On va encore te renvoyer, c'est... on va terminer la série sans toi. Voilà. Bon. Ouais, terminer la série sans toi. Putain, mais laissez-le parler, quoi. T'as un joueur, ta gueule. Je peux les garder. C'est pas sympa. Pour la peine, je la fermerai pas. Je n'aime pas tes mouches. Un jour, je mettrai de la redstone sous cette plaque et là, vous allez voir. Il va se passer les choses. Vous allez arrêter de marcher dessus. Qu'il y ait une plaque ou pas, moi, j'aurais sauté dessus de toute façon. Ah mince. Ah oui. On peut pas faire d'escalier en granit. Enfin, je sais même plus ce que c'est. C'est du. Non, c'est du. De l'andésite poli. On peut faire des grandes oh, putain. Non, mais quand tu spawns, c'est vraiment juste en face, hein, à moins qu'on ait une distance vraiment pourrie, c'est... Bah tu le sais, je kill, merde. C'est dans la direction de... C'est dans quelle direction? Au pire, c'est toi, vers le nord. Quand tu spawns en F3, tu regardes, c'est vers le nord. Ah d'accord. Vers le nord? Vers le nord, quand tu spawns. Tu dois spawner pas très loin du monument de la victoire qui est juste en face de l'arbre. Au sud je, de l'arbre. Je vais vers le spawn. Ouais, même mais moi en fait je suis parti mais. Ah oui, non mais pour ça. Ah pardon. Non, c'est. Ah, t'es allé à 50 ans. C'est vers 3800, 5100. C'est ok, je suis à 200 blocs. Il sera que bon sur la gorge, je trouve. Oh putain, le souhait qui bug. Oh, c'est joyeux ça. Ouais. Vérifie si ça vient de là. Puis après elle se barre, tu sais. Moi je récupère en masse. Ça peut venir de là. Hein. J'ai créé une deuxième salle à la maison, je sais vraiment pas pourquoi, mais je l'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis deux pièces à ma maison, une seule ça suffit largement. Ouais. Non mais tellement. Je fais une cuisine, je fais une chambre, maison, et puis lieu, je mets rien. J'aimerais bien le faire, très franchement. Je sais pas, ce sera probablement pas épisode suivant, ni même celui d'après, mais au bout d'un moment, je vous jure, on fera les donjons. C'était quoi ce truc? Ok. C'est qui a fait ce bruit? Qui se c'est un jeu. C'est moi qui m'amuse avec des pièces de la monnaie de Paris. Ouais, sauf que là tu vois, tu as fait un jump scare pour les viewers. Vraiment. Un bruit de mitrailleur. La pièce a décidé de tomber sur mes tapettes. Ah ouais, je vois ce que c'est. Qu'est-ce qu'on le tour la saison 4 des VO? Automatique à base de pièces. De 4 à 4 secondes. Ouais, là on a 5 interlocuteurs en même temps, c'est pour ça qu'on s'en sort pas parler. MDR, merde. Bah écoute, j'ai mort ici, c'est fun. On est surtout 5 interlocuteurs. On est surtout 5 interlocuteurs en même temps de l'AMC4 team pour la plupart. Quasiment tous, ouais. C'est un gros bordel. Tiens d'ailleurs, fun fact. Weathershock, quand il voulait arriver dans la série, c'était sur Twitter, je cite. Je cite, non, pas ça. Comment pas ça, c'est trop horrible. Oh, hey, oh, hey, oh, hey.
Je retrouve plus le tweet. Oui. Bref, il nous avait dit grosso modo que... Non, c'était sur Skype en plus. Qu'il pouvait venir car il foutrait pas la merde comme les autres. Plus ou moins ça, hein, je dois déformer des propos légèrement, mais je fais selon ma mémoire. Le premier épisode c'était avec Démon 3X, Novakin et Maïfa Laval aussi. Putain, je fais des connes. J'avais fait une vidéo un sur Astral. J'avais tenté en fait. Alors, tu t'es calculé, tu te rends. Allo ? Allo ? C'est bon ? Tout va bien ? Oula, ouais. Ouais, c'est bon. On avait tenté de faire une vidéo avec lui. Peut-être. Ah, neige. Sur un serveur. Ça fait possible. Mais il me semble que ça avait pas très bien marché. Ok, au calme, j'ai 28 blocs de fer. Et moi, tout ce qui est miné dans l'arbre. Et là, t'as joué qui sort. Évite, parce que si t'es pas sûr de toi, ça peut aller. Tu sais comment fonctionne la tronçonneuse un petit peu. Oui. Ouais, mais il y a quelqu'un qui a miné, tu sais, en pleine ligne droite sur dans l'arbre, tu sais. En mode gros bourrin. Ah bah, je fais ça parce que j'ai jamais la flemme de descendre une fois. Putain, je suis en train de manger cru. Le bordel dans mon inventaire, j'ai la flemme de ranger. D'habitude, c'est très bien rangé, mais là. Et ça fait observatoire la nuit, oh, c'est magnifique. On a une vue sur les branches et tout, c'est splendide. Bah, moi j'ai une baie vitrée qui me donne la vision loin. Eh non, mais Spiritoire, je te vois d'ici. Coucou. 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 Mettez votre écran en 1080p pour repérer un Spirit Wolf. Il est par là. Suivez la flèche. Le Spirit Wolf, je crois que je sais où il habite. Regarde. Ah, bah ouais, vous voyez le bout de la flèche. Ah non, je vois le Fanax. 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 Sur sa montagne. Ah bah tiens, salut. Effectivement. Salut, ça va? Ça va. Je marche à mort. J'ai fait mon musée de kebabologie. Ça veut rien dire. C'est que par Joris. Faut que je recrave des escaliers. Juste pour dire que je fais pas une maison. On manque pas de. De l'origine. On manque pas de voix dans cette série. Il faudrait une carpette. Ah putain, je lag. Ah, j'en ai si tu veux. C'est horrible. Oh, non, mieux encore. Une trappe. Je vais en crafter. Je vais voir comment je peux me débrouiller avec. Tu sais où il habite le Spirit Wolf? Je crois que c'est juste au-dessus, quasiment. Ah oui, je le vois. Ben voilà. Il est là-haut. Sa grosse maison dans les arbres. Ouais, il est là-haut. Le manoir léger, comme on dit. J'ai envie de faire une grosse tour pour monter, tu sais. T'es pas le premier. Un creeper dissident. Ouais, donc non, j'y arrive pas. Fais chier. Je vais aller voir le Spirit Wolf. Bah oui, je vais aller voir le loup. L'esprit du loup. L'esprit du loup. Le loup sauvage de la taïga. Le loup sauvage de la taïga. Plus visé. J'espérais qu'il n'y aura pas trop de problèmes parce qu'il y a un creeper sur le toit de ma maison. Ça risque d'entraîner des complications. Bon, heureusement, il n'y a pas le mob. Ah oui, ouais, effectivement, ouais, je vois le gros trou. Ouais. Bah, il n'y a pas de mob griffing, donc non. C'est juste le gros boom et la grosse mort. Voilà. La maison reste intacte. En fait. Ouais, bah, heureusement. Bah, ça, c'est un point positif. Heureusement, parce que sinon je vais péter un petit peu les câbles. Un tout petit peu. Ouais. Alors, moi, oui, on a désactivé le map briefing. Le prétexte officiel, c'est parce que la map est super belle et que ce serait une insulte de la déranger. Mais bon, officieusement, c'est juste parce que les trous de creepers, ça commençait à nous faire chier dans les VO2. Je sais pas ouais, si. Dans les VO3. Dans VO3, ouais, je sais pas si vous. Ça devenait l'apocalypse à force de payer. Mais je passais mon temps à tuer des mobs au même endroit et à reboucher des trous de creepers tout le temps dans cette putain de série. Je faisais que ça. Ça se voyait pas trop dans les vidéos, mais on a passé un peu de hors-cam. Comme pour chaque MVO, on fait pas mal de hors-cam. Ouais, surtout sur là, je trouve, mais bon. Oui, c'est vrai, on a fait l'équivalent de 3 épisodes en hors-cam d'affilée là, aujourd'hui. Parce que like a boss. Parce que c'était surtout du farming. Quoi ? Vas-y. C'est volatilisant dans les profondeurs de Minecraft. Ce serait bien que je m'occupe un peu de mon arme un jour. Oh, cool. Tu es moche. Voilà. Oh coucou, tu as l'air triste. La patte a explosé. Oh, et pouf! Il y a des creepers dans l'arbre. Je crois que c'est levé, il est pas loin. Je suis descendu, mais je sais même plus pourquoi. En fait. Ah ouais, je te vois s'élever. Pour tuer des creepers. Moi je vais essayer des armes. Ah non, au secours, des poulets. Des poulets. Où est-ce qu'on monte dans l'arbre? Power 4. Les créatures les plus maléfiques. Viens, suis-moi. Ils ont des après poulets. Les gens. Ah ouais, okay, ouais, par là-haut, ouais. Ouais, c'est ils ouais, sont ça, vraiment c'était... très stupides. Je vais te montrer, ouais, parce que je suis monté par là en fait, tout à l'heure.
Je montais par là. D'ailleurs, par rapport au... c'est débarré, personne n'a remarqué. Ouais. Par rapport au trou de creeper, au bout d'un moment dans MVO3, on a complètement abandonné, c'était devenu un champ de mine devant. Ouais. Ah oui, un champ de mine usagé. Oui. Oui, oui, voilà. Et tu vois, c'est ce trou-là que je parle, tu vois. Champ de mine après utilisation. C'est par là. C'est par là. Ouais. Moi, le style de maison que j'ai fait, c'est exactement le style que j'avais fait dans MVO2. C'est... Ah bah écoute, un cube bizarroïde. Un cube rectangulaire. Un cube plus ou moins rectangulaire avec des toits en escalier et connecté en diagonale les salles les unes. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Moi c'est juste, je prends les blocs qu'il y a sur les heures et puis je fais des trucs. Je vais n'importe où moi. Je mets ma vie en danger à tous les instants de ma vie. Ok, donc je viens de découvrir à quoi ressemble le minerai avec nous. J'ai téléchargé aujourd'hui. Ce sont des épées différentes couleurs encastrées dans la roche. Salvé, je ne te vois plus. C'est logique. Ah, j'ai entendu. Ah, un salvé. Un salvé sauvage apparaît. Hey. Tue-le. J'ai un power 4. Il faut gagner des points d'XP. Je peux pas le tuer, je suis mis. Alors, très franchement, c'est tellement tentant quand on a un seau d'eau de venir faire un MLG ici. Mais oui, mais le problème, c'est qu'il y a trop de neige en dessous et du coup, tu vas mettre le fail. Oula. C'est vrai que c'est un vrai cuillère, À moins d'être sur la terre sur un bloc de cobble. Ah ouais, c'est un cuillère les grottes, mon gars. Un bloc de stone. Putain, j'ai failli aller tout droit. Oh mon dieu. Ouais, là faut pas aller tout droit. J'ai failli mourir. Mais au pire, c'est le B, tu sais, tu poses ton stuff et t'entends pas. Ah, je peux te piquer un tapis, spirituel. C'est quoi, Tim? Je peux te piquer un tapis. Oui, oui, vas-y, serre-toi. De toute façon, tout le monde se sert. Ils sont pas spécialement utiles. De toute façon, tout le monde se sert. Je l'ai eu. Ban, what? Non, file ça. Je l'ai eu. Serre-toi, je préfère quand ils sont teints, les miens. LB, tout le monde se sert chez Spirit Wolf. Hein. Au début, normalement, tout le monde se servait chez Tinjoff. Maintenant, c'est chez moi. Bah oui, vu que Tinjoff. Chaque son tour, vu que Tinjoff tient son stuff d'une main de fer et tout. Ah, mais je suis con, je peux descendre par là, il y a une piscine en dessous de chez Spirit Wolf. Coucou. Ah oui, c'est vrai. Pas besoin de MLG. Le MLG est déjà tout prêt. Et où est Spirit? Moi je suis dans une petite grotte, je suis en train de remonter là. Ah, au fait, les noms de mes armes sont traditionnels, hein. Spécial MVO, c'est. What? Ah non, je m'attendais à ce que ce soit ma flèche, mais en fait c'est la flèche d'un squelette qui a popé devant moi qui m'est retombée sur la tronche. Quand j'ai envoyé. Moi j'aimerais avoir le droit de réparer mon épée, mais je sais pas. Donc moi mon épée c'est CLB et mon arc c'est CLBOW. Moi j'ai pas vraiment d'idée pour l'instant. Attention, est-ce que je vais me barrer? Non, c'est pas. Attention, c'est un jeu de zombie. Un zombie. Ah oui, en effet, c'est vraiment une. Avec mon pack de texture, c'est à la limite du vomitif et je pense pas que ce soit qu'avec mon pack de texture d'ailleurs. Écoute. Ouais. Bon, comment ça coule? Musée de Capoli. Oui, il y a des boules de neige. Je stocke toutes mes boules de neige, en fait, ça prend vachement de place. Je viens de claquer un stack sur la tronche. Je vais bientôt crever de faim, littéralement. Bah, en fait, moi j'ai 31 côtelettes. Get out of here! Eh, tu veux te baigner dans l'eau? Tiens. Attends, j'ai plus d'eau, moi. Où mon eau? Je veux de l'eau. Salvé, tu devrais mettre la vie dans le tab. Sauf un seau d'eau et tente à MLG. Faudrait que je mette la vie dans le tab. Pas bête! Scoreboard. Objective, add, vie, health, objective, set display, list, merci. Je sais ce que tu fais. Oh. Oui, oui. Ah. Pourquoi moi? Wesh, discrimination. Le deuxième, c'est moi le deuxième. Eh, je viens d'entendre le golem prendre des dégâts, là. Quoi? Oh, le Joris. Ouais, je crois que c'est un squelette, je crois. Ah bah, fais gaffe. Hein? Ah, le squelette. Rassure. Ouais, c'est un squelette. Oui, le squelette, Joris. En fait, je crois qu'il... Joris, je crois qu'en fait, il est mort. Il est détruit par un flèche dans le squelette. Oh non, le terraforming. Attention, chier. Attention, ce coffre est vide. Ah si, il y a du kebab. Ah bon? Non, kebab, non, c'est quoi ce massacre? Infiniment désolé le créateur de la map. Quelle affaire encore, toi, hein? C'est pas la loose, ça. Qu'est-ce que t'as fait, hein?
Bah les, tu vois les couches de neige superposées ultra classe, j'ai fait couler de l'eau dessus. Selby, juste une chose, pose tout ton stuff sur face au dos et tente un MLG. Je sais où il y en a. Je vais tuer la pisse, je suis en thug. Ah, merde, je cliquais dans la table de crâne. Ce squelette dans le dans les plantations, enfin, ce squelette à côté des vaches, ça me plaît pas trop. Bah tu le tues, ouais. Ouais, c'est bon, il est mort. C'est bon, il a pas pu, il a pas buté des... Pas buté de... Bonjour. Je me demande vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que tu te fais, hein. Je sais rien. En chambre de merde. J'admire la texture du bloc d'or. Deux clés chelous croisées. Oh non, ouais, non, 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 mais ça marche pas, mec. Noob. Pourquoi cette échelle? Noob. Tu viens de claquer 9 lingots d'or. Un level. Tu crois? À quoi servait ce commande bloc? Ah, j'en sais foutre rien. Repose le bloc d'or pour le savoir. Panax. Eh, remets la plaque de pression, seulement la plaque de pression, vu que t'as plus le bloc d'or. La plaque de pression. La plaque de pression. Oh putain. Oh, c'est levé 3h30. Bah alors. Thanks. Ah ouais, effectivement. Mange un peu. Merci pour le stuff. Qui est le DP à avoir fait ça? Lolo. Qui est le méchant? Qui est le méchant? Ouais, j'ai recréé discrètement l'hommage. Ah, mais c'est lui, ce squelette. MVO le premier. MVO le premier dont personne ne se souvient parce que de toute façon il est en privé. Ah tiens, les steaks je les garde, merci. Je crève la dalle en fait, j'ai plus un gigot. J'ai plus un gigot. Voilà, donc j'ai créé un petit hommage. Mr. Fanax, viens monter sur la plaque de pression. On y est bien, viens. Putain, mais FDB. Vas-y, t'es plus le à toi au pire. J'aimerais que tu le ouais. Bah y'a plus la plaque de pression. Vous êtes sérieux, vous me demandez que ça? Bah écoute mec, déjà t'as loupé tes jambières qui sont derrière. Et ensuite on a rien pris nous. Et à côté de mon lit. À côté de mon lit il y a des trucs. C'est par là. C'est par là-haut. Faut marcher sur la plaque de pression. Il y a pas de. Et il y a un power 1 ici. Pas pris de dégâts. Oui, c'est un petit peu trop du cheat la plaque de pression en fait. En fait c'est vraiment un retour aux sources. Oui, Maintenant que j'y pense, cette vidéo a pas mal duré, donc on va vous laisser ici, les amis. Voilà, des fois ça me prend comme ça, on arrête la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Yolo, je vais dans là. Je démonte. Watershock. Ah putain. Une promotion à faire, un mot de la fin, un message à passer. Ne venez pas. Je vais arrêter de laguer. Ok, certes. Aucun message plus sérieux à passer, genre, je sais pas, venez voir la chaîne de abonnez-vous. Gaming, et de la pub. Venez voir ma chaîne. Tu as des vidéos sur ta chaîne au moins? Hein? Tu as des vidéos sur ta chaîne? Quand ça me tente. Ouais, donc vous pouvez aller voir quand même dans le loot, hein, parce que c'est un ami de la MC4. Et sinon, il y a aussi la chaîne de la MC4, il y a 300 vidéos dessus quand même. Oui. 300 vidéos, c'est pas mal. Monstre! Vous pouvez ça tout et découvrir chaque nouvelle sortie en vous abonnant à notre chaîne. Je vais pas vous apprendre à le faire, vous appuyez sur le petit bouton. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous savoir par un pouce vert ou encore mieux, un commentaire nous expliquant pourquoi. Et n'oubliez pas de la partager aussi, c'est plus important. Le partage est très important. Pour rappel, le partage consiste à donner le lien de la vidéo à tous vos amis, quel que soit le réseau social. Comme ça, ils regardent et peuvent partager à leur tour. Ça permet aux vidéos d'être plus vues et d'être plus appréciées par plus de personnes. Ce qui est sympa pour nous, mais aussi pour vous, si la vidéo est bien. Donc je compte sur vous. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis... Bonjour, c'était CLB. Ciao les gens. Youhou.